Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a intéressé. C'est le livre de Paul-François Paoli, L'imposture du vivre ensemble, édité chez L'Artilleur. Donc, qui est Monsieur Paoli? Donc, en fait, c'est un journaliste du Figaro. Il a 59 ans, je crois. Et il a déjà édité une quinzaine de livres. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt de droite. Et je vais vous raconter un petit peu ce que son bouquin m'a inspiré. Alors premièrement, bon, ben, c'est un livre qui a 343 pages. Il est facile à lire. Il n'y a pas de mots compliqués, accessible à tout. Et il se lit très bien. On s'ennuie pas, on a envie de découvrir chaque fois la suite. Alors lui, il a fait un abécédaire. Donc vous savez ce que c'est l'abécédaire, hein. On prend les lettres de l'alphabet, il y en a 26, et puis de là, on décrit un mot et on développe. Alors bien sûr, c'est une critique du vivre ensemble. Mais en fait, moi je me suis aperçu que en fait, c'est que du bon sens. Donc ça fait plaisir à lire quelqu'un qui enfin a du bon sens. Et Monsieur Paoli est quelqu'un de viril, hein. Et moi je l'ai vu en conférence, c'est d'abord la conférence qui m'a donné envie de lire le livre parce qu'il m'a captivé. Il était tonique, efficace et puis droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui a un franc-parler, un verbe haut. Honnêtement, c'est quelqu'un de très très intéressant à écouter. Donc, il prend des mots qui l'inspirent. Alors bon, ben, il y a un petit peu au hasard. Hein, je prends des mots à la lettre B. Badinter, Elisabeth. Badiou, Alain. À la lettre C. Cambadélis, Jean-Christophe. Communautarisme. La lettre F, fascisme, donc il s'interdit aucun mot. C'est ça aussi qui fait plaisir. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des mots, il n'a pas peur de ce qu'on va penser. Et puis, je le dis encore une fois, c'est que du bon sens, c'est un plaisir. Donc moi, j'ai noté quelques trucs. Donc, alors, il cite souvent des philosophes, comme Chantal Delsol, Hannah Arendt, Foucault, Michéa, Nietzsche, bien sûr, Alain Badiou, Heidegger et Solaire. Donc, ils reviennent constamment, souvent à chaque page, il y a un de ces noms qui revient. À un moment donné, j'ai noté qu'il défendait Alain Finkielkraut et Natacha Polony. Alors, je crois que Natacha Polony, elle travaille aussi au Figaro. Elle a lancé sa chaîne TV il n'y a pas très longtemps. Et puis, elle est dans le courant souverainiste. Et puis, bon, ouais, il défend Alain Finkielkraut sur certains points. Et il revient sur un petit peu les lynchages organisés, quoi, les meutes de loups qui crient sur un individu, ça, il aime pas trop. Il défend d'autres personnes un peu plus infréquentables, où en fait, il les juge pas, mais en fait, lui, ce qu'il juge, c'est le châtiment collectif, hein, il dit que c'est facile de tomber sur un mec ou une nana, quoi. À un moment donné. Alors là, c'était un petit. J'ai bien aimé, hein, la franchise. Entre guillemets, il casse un peu Michel Onfray. Donc moi, j'attendais de voir s'il y avait un passage sur Michel Onfray. Moi, étant donné que j'aime bien Michel, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en pensait. Et comme tout le reste du bouquin, il met en évidence comment ça s'appelle les oppositions. Il met en évidence les divergences. Donc en fait, donc il parle du livre de décadence où en fait il explique que le monde judéo-chrétien s'effondre. Donc il dit que Michel Onfray raconte le déclin, la décadence. Et juste après ça, il fait le livre Décoloniser les provinces, c'est-à-dire qu'il amène la solution.
Et donc en fait, il expose la contradiction en disant que voilà, dans le premier livre, il explique pendant 700 pages la décadence, et puis il nous fait un livre derrière pour nous montrer la solution. Bon, donc il, voilà, il fustige un peu, mais c'est très correct, hein. Après, j'ai noté un autre passage où en fait, je trouve qu'il parle pas mal des juifs et de l'anthropologie. Donc, il parle d'Israël, il parle de l'antisémitisme, il parle de certains philosophes, et donc il n'a pas peur des mots, c'est plaisant. C'est ça qui. Moi, je vous dis, ça m'a fait plaisir. Après, j'ai vu qu'il y avait un petit passage sur Emmanuel Todd, ou pareil, là, il le critique un petit peu, et sur Jules Ferry, sur le transhumanisme. Et moi, ça m'a renvoyé aux vidéos que j'avais fait sur les deux. Et bon, voilà, ça conforte un petit peu ce que je pensais. Il a à peu près le même raisonnement que moi sur ces sujets-là. Après, voilà, il y a deux passages qui m'ont vraiment plu et qui sont forts. Alors je vais partir sur le premier passage qui est un peu difficile, c'est sur la collaboration. Où en fait, il parle du viol et il fait un parallèle avec les viols qu'il y a aujourd'hui en Europe par les migrants et tout ça. C'est un passage qui est assez fort et qui est quand même très très intéressant, violent et ça fait réfléchir. Et après, le deuxième passage qui m'a vraiment plu, c'est quand il parle de la patrie. Et là, je découvre Monsieur Paoli, un amoureux de la France, un amoureux des paysages, des cultures, des traditions. Dans son passage, il dit qu'il prend souvent le train et que les gens sont rivés sur leur smartphone et qui regardent même pas le paysage et quand ils traversent la France, bah, il a l'impression de changer de France en changeant de région et que bah, les paysages sont magnifiques. C'est quelqu'un d'amoureux de la France. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Si ça vous intéresse, bah, laissez-moi des commentaires. Aidez-moi à m'améliorer et puis je vous laisse en musique comme d'habitude. Merci, à la prochaine.